Sourate 37, les rangées. Au nom du Dieu clément et miséricordieux, j'en jure par ceux qui sont rangés en ordre, d'après les commentateurs, cela s'entend des anges rangés en ordre qui chantent les louanges de Dieu, récitent le Coran et exécutent les ordres que Dieu leur donne de repousser les démons ou de réprimer les criminels en leur récitant les paroles du Coran. J'en jure par ceux qui sont rangés en ordre et qui repoussent pour réprimer, et qui récitent les paroles du Coran pour exhorter. Certes, votre Dieu est un souverain des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux, et souverain des orients. Nous avons orné le ciel, le plus proche de la terre, d'un ornement d'étoiles. Elle sert aussi de garde contre tout démon rebellé, afin qu'ils ne viennent pas écouter ce qui se passe dans l'assemblée sublime. Car ils sont assaillis de tous côtés. Repoussés et livrés à un supplice permanent, celui qui s'approcherait jusqu'à saisir, à la dérober, quelques paroles, est atteint d'un dard flamboyant. Demande-leur, aux infidèles, qui est d'une création plus forte, d'eux ou de ceux que nous avons créés? Les anges et les cieux. Or, nous avons créé les hommes de boue dure. Tu admires la puissance de Dieu. Et eux, ils la raillent. Ils disent, si on les exhorte, ils n'en tiennent aucun compte. S'ils voient un signe d'avertissement, ils s'en rient. Ils disent, c'est de la magie avérée. Morts, devenus poussière, serions-nous ranimés de nouveau? Et nos pères, les anciens, le seront-ils aussi? Dis-leur, oui, et vous serez couverts d'opprobre. La trompette retentira une seule fois, et ils se lèveront de leur tombeau, et regarderont de tous côtés. Malheur à nous, s'écrieront-ils, c'est le jour de la rétribution. C'est le jour de la décision, leur dira-t-on, ce jour que vous traitiez de chimère. Rassemblez, dira Dieu, aux exécuteurs de ses ordres, les impies et leurs compagnes, et les divinités qu'ils adoraient. À côté de Dieu et dirigez-les sur la route de l'enfer. Arrêtez-les, ils seront interrogés. Pourquoi donc ne vous prêtez-vous pas secours, vous et vos faux dieux? Mais ce jour-là, ils se soumettront au jugement de Dieu l'unique. Alors, ils s'approcheront les uns des autres et se feront des reproches mutuels. Vous veniez à nous du côté droit, diront-ils à leurs séducteurs. Non, c'est plutôt vous. C'est plutôt que vous n'avez pas voulu croire, répondront les autres, car nous n'avions aucun pouvoir sur vous. C'est plutôt que vous étiez des méchants. La parole de notre Seigneur s'est donc vérifiée sur nous. Et nous allons goûter le supplice. C'est ainsi que nous traiterons les coupables, car lorsqu'on leur disait « il n'y a point de Dieu si ce n'est Dieu », ils s'enflaient d'orgueil et disaient « abandonnerons-nous Dieu pour un fou de poète ?» Non, il vous apporte la vérité et confirme les apôtres précédents. Certes, vous éprouverez le châtiment douloureux, vous ne serez rétribués que selon vos œuvres, mais les fidèles serviteurs de Dieu recevront certains dons précieux, des fruits délicieux, et ils seront honorés. Dans les jardins des délices, se reposant sur des sièges et se regardant face à face, on fera circuler à la ronde la coupe remplie d'une eau limpide, vraie délice pour ceux qui la boiront. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. Ils auront des vierges au regard modeste, aux grands yeux noirs et semblables par leur teint aux œufs d'autruche, cachés avec soin. Les uns s'approcheront des autres et se feront des reproches mutuels. Tel d'entre eux dira, j'avais un ami sur la terre. Il me demandait souvent, regardes-tu la résurrection comme une vérité?
Serait-il possible que nous soyons jugés quand une fois nous serons morts et devenus ces poussières? Il dira ensuite, voulez-vous regarder là-bas? Ils regarderont et ils verront au fond de l'enfer. Le juste dira, j'en jure par Dieu, tu as failli causer ma perte. Sans la miséricorde de Dieu, j'aurais été au nombre de ceux que l'on amène devant lui. Subirons-nous encore une autre mort, outre celle que nous avons subie? Serons-nous livrés au supplice? Cet homme, un des bienheureux, doute presque de son bonheur, et voyant son ami dans l'enfer, se demande, suis-je donc réellement en possession d'un séjour éternel? Ne faudra-t-il plus mourir, ni subir de supplice? En vérité, c'est un grand bonheur que celui dont nous jouissons. À l'œuvre, travailleur, pour en gagner un pareil, ceci vaut-il mieux comme repas? Ou bien l'arbre de Zakoum? Nous en avons fait un sujet de dispute pour les méchants. C'est un arbre qui pousse du fond de l'enfer. Ils voyaient leur père égaré se précipiter sur leurs pas. Une grande partie parmi des peuples anciens s'était déjà égarée avant eux. Nous envoyâmes chez eux des avertisseurs. Regarde et vois quelle a été la fin de ceux que l'on avertissait. Et qui n'étaient point nos serviteurs fidèles. Noé cria vers nous. Et certes, nous sommes promptes à exaucer. Nous le délivrâmes avec sa famille de la grande calamité. Nous laissâmes subsister ses descendants. Et nous lui conservâmes dans la postérité cette salutation. Que la paix soit sur Noé dans l'univers entier. Les musulmans ne manquent jamais d'ajouter après le nom du prophète ces mots, que la paix soit sur lui. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Il était du nombre de nos serviteurs fidèles. Nous submergeâmes certes les autres. C'est de sa secte qu'était Abraham. Il apporta à son Seigneur un cœur intact. Il dit un jour à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Préférez-vous de fausses divinités à Dieu? Que pensez-vous du maître de l'univers? Il jeta un regard sur les étoiles. Je suis malade. Je n'assisterai pas aujourd'hui à vos cérémonies. Ils s'en allèrent et le laissèrent. Il se déroba pour aller voir leurs idoles et leur cria « Mangez-vous? Pourquoi ne parlez-vous pas ?» Et là-dessus, il leur porta un coup de sa droite. Son peuple, enfin il faut entendre les gens de sa famille, les voisins, les gens de la même tribu ayant les mêmes divinités, accourut précipitamment. Adorerez-vous ce que vous taillez vous-même dans le roc, leur dit Abraham. C'est Dieu qui vous a créé, vous et les œuvres de vos mains. Ils se disaient les uns aux autres, dressez-lui un bûcher et jetez-le dans le feu ardent. Ils voulurent lui tendre un piège, mais nous les humiliâmes. Je me retire, dit Abraham, auprès de mon Dieu, il me montrera le sentier droit. Seigneur, donne-moi un fils qui compte parmi les justes. Nous lui annonçâmes la naissance d'un fils d'un caractère doux. Lorsqu'il fut parvenu à l'âge de l'adolescence, son père lui dit, mon enfant, j'ai rêvé comme si je t'offrais en sacrifice à Dieu. Réfléchis un peu. Qu'en penses-tu? Ô mon père, fais ce que l'on te commande. S'il plaît à Dieu, tu me verras supporter mon sort avec fermeté. Et quand ils se furent résignés tous deux à la volonté de Dieu, et qu'Abraham l'eut déjà couché le front contre terre, nous lui criâmes. Ô Abraham, tu as cru à ta vision. Et voici comment nous récompensons les vertueux. Certes, c'était une épreuve décisive. Nous rachetâmes son fils par une grande victime. Nous lui conservâmes dans la postérité cette salutation.
Que la paix soit sur Abraham. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux. Il était de nos serviteurs fidèles. Nous lui annonçâmes un prophète dans Isaac, le juste. Que la paix soit sur lui. Nous répandîmes nos bénédictions sur Abraham et sur Isaac. Que la paix soit sur eux. Parmi leurs descendants, tel fait le bien, tel autre est d'une iniquité manifeste envers lui-même. Nous avons comblé de nos bienfaits Moïse et Aaron. Nous les avons délivrés tous deux ainsi que leur peuple d'une grande misère. Nous les avons secourus et ils ont été les plus forts. Nous avons donné à eux, Moïse et Aaron, le livre clair, et nous les avons dirigés dans le sentier droit. Et nous leur conservâmes à tous deux dans la postérité cette salutation. Que la paix soit sur Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux. Ils étaient tous deux de nos serviteurs fidèles. Élie était aussi un de nos envoyés quand il dit à son peuple, ne craindrez-vous pas, invoquerez-vous Baal, et abandonnerez-vous le plus habile des créateurs. Dieu, votre Seigneur et Seigneur de vos pères, les anciens, les incrédules le traitèrent d'imposteur. Et ils ont été amenés devant Dieu. À l'exception de nos serviteurs fidèles parmi ce peuple rebelle. Et nous lui conservâmes dans la postérité cette salutation. Que la paix soit sur Élie. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux. Il était de nos serviteurs fidèles. Lot aussi fut un de nos apôtres. Celui que nous sauvâmes avec toute sa famille, à l'exception de la vieille qui était restée en arrière. Nous exterminâmes les autres. Vous passez auprès de leur habitation le matin et la nuit. Ne réfléchissez-vous pas? Et Jonas fut aussi un de nos envoyés. Il se retira sur un vaisseau chargé. On jeta le sort et il fut condamné à être jeté dans la mer. Le poisson l'avala, la baleine. Or, il avait encouru notre blâme, et s'il n'avait point célébré nos louanges, il serait resté dans les entrailles du poisson jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Nous le rejetâmes sur une plage aride, il était malade. Nous fîmes poser à son côté un arbuste. Le mot yactine, qui suit le mot arbuste, est expliqué tantôt par citrouille, tantôt par figuier ou bananier. Nous l'envoyâmes ensuite vers un peuple de 100 000 âmes, ou davantage. Ils crurent en Dieu, nous leur avons accordé la jouissance de ce monde jusqu'à un certain temps. Demande aux Mécois qu'ils te disent si Dieu a des filles pendant qu'ils ont des fils. Aurions-nous par hasard créé les anges femelles? En ont-ils été témoins? Non, mais ils forgent même des mensonges. Ils disent Dieu a des enfants. Ils mentent. Auraient-ils préféré les filles aux fils? Quelle raison avez-vous de penser ainsi? Ne réfléchirez-vous pas? Ou bien, avez-vous quelques preuves évidentes à l'appui? Faites voir votre livre, si vous êtes sincère. Ils établissent une parenté entre Dieu et les génies, mais les génies savent qu'un jour ils seront ramenés devant Dieu, par sa gloire, et les trop au-dessus de leurs imputations. Il n'en sera pas ainsi avec les fidèles serviteurs de Dieu. Mais vous, les divinités que vous adorez, vous ne saurez exciter contre Dieu que l'homme qui s'égare sur la route qui conduit à l'enfer. Chacun de nous a sa place marquée. Nous nous rangeons en ordre et nous célébrons ses louanges. Si ces infidèles disent si nous avions un livre qui nous fut transmis par les anciens, nous serions les fidèles serviteurs de Dieu. Ils ne croient pas au Coran, mais ils sauront la vérité un jour. Nous promîmes à nos envoyés de leur prêter notre assistance. Nos armées leur procurent la victoire. Subhanallah, il y a d'abord, moi, je ne sais pas combien d'oiseaux qui sont passés. Nous promîmes à nos envoyés de leur prêter notre assistance. Nos armées leur procurent la victoire. Éloigne-toi d'eux un moment, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Veulent-ils donc hâter notre châtiment,
Quand il fondra au milieu de leur enclos, quelle sera terrible la matinée. Des hommes exhortés en vain. Éloigne-toi d'eux pour un moment, vois quelle sera leur fin. Ils le verront aussi. Gloire à Dieu, Dieu de grandeur, il est trop au-dessus de leur imputation. Que la paix soit avec les apôtres. Gloire à Dieu, Maître de l'univers. Amen.